Quels sont les problèmes possibles à la location avec option d'achat? La location avec option d'achat d'un immeuble résidentiel est un contrat plutôt inhabituel dans lequel un locataire-acheteur s'engage à louer les lieux pendant un délai et se voit octroyer la possibilité d'acquérir l'immeuble à un prix déjà établi auquel est normalement déduit un acompte accumulé pendant la location. De nombreux litiges peuvent survenir suite à la conclusion d'une location avec option d'achat. Par exemple, si le marché immobilier a eu des hausses de valeur comme nous l'avons connu durant les dernières années, le locataire-vendeur sera certainement plus enclin à vouloir résilier le contrat ou à le renégocier. Si l'option d'achat n'est ainsi pas exercée, un litige possible pourrait toucher au remboursement de l'acompte payé depuis le début du bail par le locataire-acheteur. L'acompte est normalement remboursable à moins d'indications contraires au contrat. Il est important de comprendre que si la location avec option d'achat est interprétée comme plus un contrat de vente, il s'agit bel et bien d'une location résidentielle. Donc, le locataire aura droit au maintien dans les lieux à la reconduction du bail, comme tout locataire résidentiel dont le bail prend fin. Ainsi, malgré la fin de l'option d'achat, le locataire résidentiel pourra continuer de louer le logement en payant le loyer convenu au contrat en cessant les paiements progressifs de l'acompte. Vous désirez plus d'informations sur ce type de location? Appelez-nous ou textez-nous au 514-827-9096 ou passez par notre site internet alaindaniel.com. Merci!